Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai retiré mon soutien à la création du sanctuaire en Aquitaine au gérant de la page Shinto de France parce que nous avons des différends au niveau des croyances et c'est très important que je vous le dise. Pour moi, je suis très honnête, si on ne se base pas sur les origines Shinto, on ne peut fonder un sanctuaire Shinto. Et alors, ça devient à l'encontre même de la croyance Shinto. Je pense que si on refuse de croire que Amaterasu Mikami a donné les trois trésors divins aux empereurs, au prince Neniji qui a fondé par la suite avec son petit-fils Dimon, c'est comme si autant ne croire en rien, c'est refuser de croire. Par exemple, que Jésus serait fait crucifier sur une croix pour les chrétiens. Donc, avec ces divergences, j'ai refusé, j'ai retiré mon soutien au gérant de la page Shinto France. Et c'est pour cette raison que je ne veux plus m'impliquer dans ce sanctuaire et à sa construction. Par contre, s'il réussit à établir et à construire ce sanctuaire, je serai très heureux pour lui. Mais comme nous avons des points de vue qui divergent, et qu'il a une vision très du Japon assez manichéenne, assez négatif, donc je retire mon soutien. Et je dis juste que dans la religion, dans la croyance, et si on refuse de croire avec le monde moderne qui nous entoure, qu'il faut quand même une structure et un ordre pour gérer aujourd'hui les croyances, alors à quoi bon être Shinto? Pour moi, croire au shintoïsme, c'est pouvoir croire au mysticisme, à ces dieux qui nous entourent, à ces dieux qui ont été engendrés par le premier des dieux, à ces dieux qui vont faire une chance aux hommes de vivre, d'être et de comprendre le monde qui l'entoure et qu'il est aussi tout petit par rapport à la nature qui l'entoure. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ce sera une vidéo très courte, même si j'ai du mal à m'exprimer en caméra. Moi, vous savez pourquoi je ne soutiens plus ce projet. Je sais, c'est triste. C'est un très beau projet. J'espère qu'il réussira. Mais il a une vision du Shinto à lui. Et moi, j'ai ma vision du Shinto à moi. C'est pour ça que je vous dis à vous de choisir votre camp, ou de ne pas choisir votre camp, de faire votre propre avis, de forger votre propre avis. Comme je vous l'ai toujours dit, il faut toujours forger votre propre avis. Car n'oubliez pas que dans le Shinto, il n'y a ni dogme, ni guide, ni texte, ni de choses concrètes. C'est à chacun de faire sa façon de prier. Et c'est ça aussi le problème dans le Shinto, c'est que vous avez de multitudes de gens qui pensent ceci et d'autres qui pensent cela, et qui ne se basent plus sur le Shinto originel, le Shinto de base qui a fait que le Japon s'est créé, qui a fait que le monde s'est créé par rapport au Kami. Voilà. Je vous dis à bientôt, et je vous souhaite à tous que le Kami vous protège, et qu'il vous garde, et qu'il puisse vous influencer dans un meilleur avenir, et dans le bonheur total.